Personnellement, je n'ai pas lu encore le livre d'Hélène Salon, mais je pense qu'il a un grand mérite. C'est de montrer à quel point l'islam version salafiste est inapplicable et invivable dans les faits. On ne peut pas, au XXIe siècle, vivre en appliquant des lois du 7e siècle, et certainement que cet échec qui a été ressenti comme tel par les habitants de Mossoul aura à la longue des conséquences. Je dis à la longue parce que il ne faut pas tomber dans un piège qui est celui de la diabolisation. Nous sommes en état de guerre, et lorsqu'il y a un vainqueur et un vaincu militairement, ce qui est le cas en Irak, on a tendance, l'histoire est écrite par les vainqueurs, hein, c'est connu, et les vaincus n'ont pas droit à la parole. Or, il serait faux de penser que l'État islamique n'est pas l'islam, c'est aussi l'islam, et il serait faux de penser qu'il est totalement étranger à un processus historique qui tire ses racines dans la radicalisation du réformisme musulman. Réformisme musulman qui est né à la fin du XIXe siècle en réaction à la colonisation presque totale des pays d'islam. Ce réformisme musulman a été, avec des gens comme Jamaluddin El-Afghani, Mohamed Abdou et Rachid Rida, première version, plutôt ouvert et tolérant, mais il y a eu des événements majeurs dans le monde musulman avec l'offensive laïque de Mustafa Kemal, l'abolition du califat en 1924, avec tous les émules dans le monde musulman de Mustafa Kemal, comme Reza Khan, qui va devenir Reza Shah, puis ensuite dans le monde arabe, des émules de Mustafa Kemal qui vont raidir la position des réformistes musulmans sur des positions littéralistes. Et on le voit très bien dans la deuxième version de la vie de Rachid Rida, qui d'un seul coup diabolise tout ce qui vient de l'Occident, notamment les francs-maçons. Je rappelle que Afrani et Abdou avaient été francs-maçons. Donc cette rencontre entre un islam éclairé, anticolonial, et des principes venant de l'Occident, finalement échoue et aboutit à une radicalisation littéraliste en milieu sunnite qui va devenir l'idéologie dominante. C'est-à-dire que ce qu'a appliqué de façon extrémiste l'État islamique en Syrie et en Irak est malgré tout une version extrême de ce qui est aujourd'hui une idéologie dominante, c'est-à-dire que c'est l'idéologie autour de laquelle il y a une surenchère entre tous les acteurs musulmans pour apparaître comme le meilleur défenseur de cet islam, puisant directement aux sources avec l'imitation du prophète et des compagnons du prophète, et s'interdisant au maximum toute interprétation, tout ijtihad, même si on sait que le littéralisme est une forme d'ijtihad. Donc il faut avoir bien conscience de cela, le fait que l'État islamique n'est pas un ovni dans le monde musulman. Il apparaît dans un contexte général où l'islam devient une idéologie de combat anti-occidentale. Et ceci a été largement encouragé par les échecs de la reconstruction politique sous patronage américain d'un État irakien, et de façon plus générale par la faillite des États du Moyen-Orient qui ont pour point commun d'avoir une genèse mandataire. Je rappelle que l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie ou la Transjordanie sont des créations coloniales avec des frontières décidées la plupart du temps entre Britanniques et Français, et qu'elles ne recouvraient
aucune des identités majoritaires à l'époque, d'autant plus que les promesses faites par les Alliés lors de la Grande Guerre aux Arabes ont été toutes trahies. Ces promesses tenaient en l'assurance d'un grand royaume arabe unifié, surtout le Bilad al-Sham, ce qu'on appelle le Bilad al-Sham, c'est-à-dire la Grande Syrie, qui inclut la Syrie actuelle, le Liban, la Palestine et la Jordanie ou la Transjordanie. Donc l'échec à la fois historique d'États qui sont en faillite, comme l'État syrien, et l'échec de la reconstruction politique en Irak. Donc très brièvement, je rappelle qu'il y avait eu un premier État irakien fondé en 1920 par les Britanniques qui donnait le monopole du pouvoir à des élites issues de la minorité arabe sunnite d'Irak. Les Arabes sunnites font environ 20% de la population irakienne, aux dépens donc des chiites, qui font environ 55 ou 60% de la population, et des Kurdes. En 2003, la chute du régime de Saddam Hussein a entraîné, après moult guerres et répressions, l'effondrement de l'État irakien, et les Américains, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix en régime d'occupation, on sait que des sociétés comme la société irakienne se replient sur des solidarités primaires, tribales et confessionnelles, et qu'on ne voit plus d'espace public ni de citoyenneté commune possible. Donc les Américains ont été contraints de composer sur un terrain qui était communautaire, à la fois ethnique et confessionnel, en s'adressant et en sollicitant les exclus du premier système, à savoir les chiites et les Kurdes. Ils l'ont fait sans préférence, sauf peut-être pour les Kurdes, mais certainement pas pour les chiites qui rentraient directement d'Iran et pour lesquels les Américains n'avaient aucune sympathie, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Or, le hic, si l'on peut dire, le caractère pervers d'un tel système confessionnel est qu'il y a toujours des exclus. Et là, les exclus ont été, en l'occurrence, ceux qui avaient toujours eu le pouvoir à Bagdad depuis la nuit des temps, depuis le califat abbasside. Comme vous le savez, les Arabes sunnites n'ont pas accepté leur éviction et ils ont tenté plusieurs fois de s'intégrer dans un système qui ne leur a pas permis une telle intégration. Après l'échec de la première guerre au nom d'Al-Qaïda en 2003 et 2004, notamment avec la guerre de Fallujah, on a vu une guerre confessionnelle se déchaîner entre 2005 et 2008, au cours de laquelle les mouvements salafistes utilisaient le terrorisme anti-chiite pour tenter de séparer ce qu'ils ont réussi à faire les deux communautés musulmanes, chiites et sunnites. On estime à plusieurs centaines de milliers de morts les victimes des attentats et de cette guerre qui a abouti à une territorialisation sans précédent confessionnelle qu'on voit à l'œuvre tout à fait à Bagdad. Bagdad était une ville multiconfessionnelle et multiethnique, et c'est une ville aujourd'hui à 80% chiite, où les sunnites qui restent vivent claquemurés dans des quartiers protégés par des murs de béton. Donc les sunnites ont tenté plusieurs fois de s'intégrer à ce système. D'abord, ils ont pratiqué la politique de la chaise vide en boycottant les élections. Mais à partir de 2010, ils ont commencé à participer au jeu électoral, notamment parce qu'il y avait de nouvelles listes électorales qui prétendaient s'affranchir du confessionnalisme et s'adresser aux Irakiens au-delà des allégeances communautaires sur la base d'une citoyenneté irakienne commune. Ça a été le cas de la liste de Nouri al-Maliki, l'état de droit, Dawlat al-Qanoun, mais aussi d'une autre liste, d'Iyad al
Al-Alawi, donc Nour al-Maliki, premier ministre pendant longtemps irakien, chiite, et Iyad Alawi, chiite, mais qui était affranchi des différentes composantes de la maison chiite irakienne. Et on a vu donc les sunnites venir voter de façon croissante, si bien que la liste d'Iyad Alawi, Al-Araqiya, la liste irakienne, est devenue synonyme de liste sunnites aux yeux des chiites qui ont senti un danger sur un mode de danger communautaire. Et il y a eu à ce moment-là une rétractation de la liste l'état de droit qui s'adressait à tous les Irakiens sur une base confessionnelle, et les vainqueurs des élections l'ont été sur une base confessionnaliste où l'on a vu la majorité soi-disant démocratique, être en fait une majorité démographique qui représentait la majorité chiite. Dernière tentative en date des sunnites de s'intégrer au jeu politique à la faveur du printemps arabe 2011. Il y a eu en Irak des printemps arabes, chiites et sunnites séparés. Les sunnites ont organisé à Mossoul, à Tikrit, à Fallujah, des sit-ins pacifiques où ils reprenaient les mots d'ordre des printemps arabes en Syrie, en Égypte et au Yémen. Non à la corruption, oui à l'état de droit, non au confessionnalisme, non à la répression. Et derrière ces mots d'ordre de la société civile, on sentait bien qu'il y avait une revendication au nom de la communauté sunnite de ne pas être exclue du jeu politique. Or, la réaction du gouvernement de Nour al-Maliki a été à l'image de celle de Bachar el-Assad en Syrie, c'est-à-dire d'utiliser la force, l'armée, les bombardements, l'artillerie lourde et le largage symbolique de barils bourrés de poudre sur des sit-ins pacifiques. Et après cette vague de répression, il y a eu un mouvement de bascule très rapide d'une communauté qui avait tout essayé pour s'intégrer au jeu politique irakien et qui, en désespoir de cause, s'est donnée au diable, qui attendait dans l'ombre, tapis dans l'ombre, si l'on peut dire, l'État islamique, qui s'est adressé aux Arabes sunnites d'Irak pour leur dire « Vous voyez bien que vous n'avez aucune possibilité de vous intégrer dans un tel système et nous vous proposons tout à fait autre chose qui n'est pas dans le cadre du système politique irakien, qui n'est même plus dans le cadre de l'Irak, dans ses frontières ou dans le cadre de l'État irakien. » Et ça a été donc le début de l'attentisme notamment des habitants de Mossoul, qui, je l'ai pratiqué moi-même de visu, puisque j'étais en mars 2014, quelques semaines avant l'arrivée de l'État islamique à Mossoul, et j'ai vu que la vie y était intenable pratiquement pour les habitants qui étaient soumis à des mafias sunnites peut-être, mais liés au gouvernement, qui mettait la ville, qui gouvernait la ville, en mettant les gens à leur merci, pratiquant le racket sur une grande échelle, pratiquant également une politique d'extorsion avec des pénuries alimentaires sur des produits de base pour lesquels on crée des pénuries artificielles pour faire flamber les prix, et une insécurité permanente puisqu'on ne pouvait pas faire un kilomètre dans la ville sans croiser plusieurs checkpoints où on n'était jamais certain de l'identité de ceux qu'on allait croiser et à qui il fallait graisser la patte pour pouvoir passer. Quand on était français, le danger était moindre. Pour les Irakiens, de nombreux Irakiens ont dû payer pour voir les membres de leur famille retrouver la liberté, et d'autres ne l'ont jamais retrouvé. Il y a eu plusieurs dizaines d'exécutions extrajudiciaires. Ceci explique pourquoi l'État islamique
a été accueilli, bien accueilli, sans tirer un coup de feu dans une ville comme Mossoul, et pourquoi les premiers mois du règne de l'État islamique ont été vécus comme une libération pour une population qui avait été attentiste au début, mais qui a notablement vu une amélioration, notamment le fait que les prix, il y avait la sécurité a été rétablie, puisqu'on pouvait circuler dans Mossoul sans rencontrer des miliciens non identifiés à tous les carrefours, et les prix ont été divisés par deux ou par trois par rapport à l'époque où le gouvernement dirigeait la ville. Voilà, ça a été dans les premiers mois de l'État islamique. On sait, et Hélène Salon l'a très bien montré dans son livre, que ça n'a pas duré. Mais encore une fois, l'État islamique n'est pas un ovni. Il est inscrit dans l'histoire irakienne et il est inscrit dans l'histoire des mouvements salafistes en Irak qui ont toujours été minoritaires et qui n'ont dû cette notoriété qu'à une succession d'échecs des institutions en place. Voilà, je vous remercie. Donc, comment l'État islamique s'est-il emparé de Mossoul en juin 2014 comment, en quelque sorte, Mossoul est devenu la capitale, peut-être un peu par défaut, de l'État islamique? Oui, bah pour continuer un peu l'analyse de Monsieur Louisard, comme il le disait, c'est un mouvement qui était déjà présent dans la ville et qui le contrôlait finalement un peu sous un système mafieux. L'attaque a débuté le 6 juin. Donc c'était pour une grande majorité des combattants irakiens en fait, et même des combattants de la ville. Donc c'était pas des étrangers à Mossoul. Je pense qu'eux-mêmes ont été assez surpris en fait que ça se passe aussi rapidement en 4 jours, et il y a certaines théories qui disent qu'ils ambitionnaient même pas de prendre la ville ce jour-là. En plus de d'avoir réussi à grignoter cette ville et finalement les autorités aussi fédérales et locales corrompues qui ont réussi à pousser la population dans une grande défiance et l'attente d'un autre système de gouvernance. Il y a eu aussi un phénomène qui a été assez important, c'est la déliquescence de l'État et surtout de l'armée irakienne. Donc avec le phénomène qui était assez connu des soldats fantômes, où par la corruption de l'armée, sa politisation, on s'est retrouvé avec une armée qui, sur le papier, avait beaucoup d'effectifs, mais en théorie, la plupart, les trois quarts payés pour ne pas aller tenir leur poste et payer leur chef et rester à la maison. Donc quand l'État islamique arrive dans Mossoul le 6 juin, il se trouve face à une armée qui va finalement abandonner ses positions, notamment parce qu'ils attaquent dans des quartiers où c'est des bastions djihadistes. Et donc ça va très vite, en 4 jours la ville tombe. Et il y a toute une phase... après, donc le 10 juin, la ville est aux mains de l'État islamique. Les gens réalisent pas trop qui sont ces combattants, parce qu'il y a ces combattants qui arrivent peut-être 200 de l'extérieur, et au fur et à mesure, d'autres les rejoignent depuis l'intérieur de la ville, mais sans être habillés comme on a pu voir l'État islamique. Donc c'est un mouvement assez difficile à identifier, d'autant plus qu'ils se sont alliés avec d'autres groupes insurrectionnels qui sont d'autres tendances de la ville. Donc national islamo-nationaliste ils ont réussi à s'allier avec d'autres mouvements. Ils ne s'affichent pas tout de suite comme l'État islamique avec une volonté vraiment d'avoir un pouvoir total sur la ville. Ils sont encore dans la négociation, et d'autant plus qu'ils poursuivent leur expansion. Mossoul n'est qu'à l'époque une étape vers Bagdad, et donc dans les jours qui suivent, donc Mossoul tombe le 10, on va avoir les villes, ils vont poursuivre vers le sud. Donc on va avoir Kayara, notamment Tikrit, qui est la ville, la grande ville à côté de la ville de naissance de Saddam Hussein, qui tombe le 12. Et ils arrivent à 100 km aux portes de Bagdad. Et là, ils sont arrêtés par toutes les forces irakiennes, et notamment un grand mouvement de mobilisation dans le camp chiite, à l'appel de Sistani, donc le représentant de la communauté chiite irakienne.
et ils sont arrêtés à 100 km aux portes de Bagdad, on peut penser que l'objectif était Bagdad, et donc qui était la capitale du califat abbasside, et que symboliquement, c'était Bagdad qui voulait conquérir. Par défaut, donc, ils vont se replier sur Mossoul. Mossoul, ce n'est pas une ville qui est sans importance, c'est la deuxième grande ville d'Irak. On disait deuxième ville du pays. C'est aussi un peu le phare de la communauté sunnite d'Irak. C'est la grande ville citadine, éduquée, avec de grandes familles, qui est une ville rebelle, qui a une grande histoire à la fois dans tous les mouvements politiques, même islamo-politiques comme les frères musulmans. Donc, et il y a la mosquée El-Nouri qui représente aussi cette période un peu historique qui peut servir de symbole. Et c'est la capitale économique du califat. Parce que finalement, si vous prenez une ville comme Raqqa, Raqqa c'est quoi? C'est 400 000 habitants. La plupart ont fui quand ils ont pris la ville. C'est une petite bourgade, tandis que Mossoul, 2 millions d'habitants, 3 universités, énormément d'industries, de commerce, ça va être leur capitale économique. Et quand M. Luizard parlait d'extorsion et de raquettes, déjà dès 2010, des autorités, enfin, des sources irakiennes disent qu'avant la chute de la ville, il faisait déjà 8 millions de dollars par mois de ce racket et de cette extorsion. Donc on peut voir à quel point la ville va être importante dans l'économie du califat. Donc on a tendance à présenter Mossoul dans l'espace califal comme la capitale économique et symbolique, Raqqa un peu plus comme la capitale politique, car c'est l'accès, enfin la Syrie a un enjeu beaucoup plus fort au niveau du recrutement des djihadistes étrangers. Les Français étaient beaucoup plus à Raqqa. Donc voilà, Raqqa capitale politique, Mossoul économique et symbolique. Et là où ils ont été assez intelligents dans les premiers temps, c'est qu'ils ont été dans une phase de séduction. Comme je vous le disais, c'est des gens qui connaissaient très bien la ville. Ils étaient de là. Il y avait beaucoup qui ont fait leurs premières armes dans Al-Qaïda, dans la ville avant, qui sont partis en Syrie, qui sont revenus. Ils ont fait du renseignement sur la ville pendant ces années où ils faisaient de l'extorsion du racket. Donc ils arrivent dans la ville, ils savent très bien identifier les problèmes. Donc l'arbitraire sécuritaire, le fait que la ville ait été délaissée pendant des années. Donc ils vont retirer tous les barrages, ils vont rétablir tous les services et faire une administration beaucoup plus rationnelle aussi pour la population. On impose des taxes, mais en contrepartie des taxes, il y a des services. Donc la population accepte. Et aussi, surtout, ce que je disais, c'est qu'ils s'allient avec des mouvements et ils essayent au début de les ménager. Donc ça va prendre un petit moment avant qu'ils ne vraiment serrent la vis et imposent totalement leur gouvernance et leurs règles. Je m'arrête là pour le moment. Non. Donc c'est une des insurgés s'emparent de la ville de Mossoul. Laurent, je voudrais savoir, Laurent a couvert l'Irak pendant largement plus de 10 ans. Je voudrais savoir si tu as vu une différence de ces insurgés de l'État islamique par rapport à d'autres groupes insurrectionnels que tu peux voir sur le terrain en Irak. Je dois mal comprendre ta question parce que un des aspects du groupe islamique dont on parle, Daesh, c'est justement de ne pas avoir du tout d'accès à ce qui se passe chez eux. Enfin, en tout cas, pour un observateur étranger, évidemment, il n'y a jamais eu de possibilité de se rendre sur place. Ce qui peut-être donne d'ailleurs, explique pourquoi, en dehors du fait que ce soit un événement irakien et même un événement international, cette bataille de Mossoul et même les batailles d'avant, enfin toutes les reprises des forces irakiennes des endroits qui étaient contrôlés par Daesh, c'était une manière de s'approcher de ce qui s'était passé dans les régions sous le contrôle de Daesh. Mais je...
Donc, est-ce que c'était un groupe qui était, par rapport aux autres groupes insurrectionnels qui étaient à Fallujah, par exemple, en 2005, qu'est-ce qu'ils étaient les différences de Daesh par rapport à ces autres groupes ? Ah, je pense que ce sera plus une question pour Jean-Pierre ou Hélène, mais je crois que tout le monde a bien compris que la principale différence entre Daesh et les groupes djihadistes qui l'ont précédé ou simplement Al-Qaïda, puisque juste avant eux, c'est eux qui sont en Irak, c'est qu'ils possédaient un territoire et toutes les ressources qui venaient avec ce territoire. Enfin, Al-Qaïda a été très important, mais jamais avec le contrôle des ressources qui viennent d'un territoire. Et ça veut dire les ressources comme le pétrole ou même les revenus agricoles, parce que c'est le cas, et les taxes sur les habitants, du simple citoyen avec des petites taxes mais qui sont lourdes pour le budget d'une personne privée, mais aussi les petits propriétaires d'entreprises et aussi les grands directeurs d'usines avec des constructions financières compliquées et des pressions lourdes, des menaces d'enlèvement ou des enlèvements d'ailleurs, ou même des exécutions. Et troisième chose, je pense, qui vient avec le contrôle d'un territoire, c'est tout simplement ce qu'ils ont trouvé en arrivant, comme les millions de dollars qui étaient dans les banques de Mossoul. Au-delà de ça... Tu avais accès à Al-Qaïda ? Pas du tout. D'ailleurs, à part avoir fui certains endroits dans des moments de panique avec des éléments d'Al-Qaïda, c'est vrai que tu as raison de le dire, on n'a pas beaucoup plus fréquenté Al-Qaïda sur le terrain qu'on a fréquenté Daesh, c'est sûr. Enfin, à part pour certains qui ont eu la malchance de tomber dans leurs griffes ou... C'est bien en termes de couverture journalistique, c'est bien une grosse différence avec le passé. Sauf qu'Al-Qaïda était un petit peu, à part quelques interviews célèbres comme la BBC à une certaine époque, mais bon, d'une certaine manière, oui, on est dans des circonstances qui empêchent la présence d'un observateur. La présence d'un observateur professionnel, étranger et supposé neutre n'a pas existé. Oui. Dans la prise, pour revenir à Mossoul, dans la prise de Mossoul, est-ce qu'on pourrait développer le rôle des périphéries de Mossoul, le rôle des tribus, le rôle de quartiers un peu marginalisés et populaires ? Peut-être je voudrais revenir sur les différences essentielles entre Al-Qaïda et l'État islamique. Déjà, il faut rappeler qu'en Irak, Al-Qaïda fait partie de l'État islamique, à la différence de la Syrie. En Syrie, il y a une concurrence entre les deux. Hein, il y a l'État islamique qui contrôlait des régions à l'est, hein, sur l'Euphrate, et Jabhat al-Nosra, qui a changé plusieurs fois de nom et qui a été déclaré branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie. Les deux sont concurrents en Syrie, mais les six groupes salafistes qui ont en 2006 fondé l'État islamique en Irak et au Levant, parmi eux on trouve donc Al-Qaïda, et donc il n'y a pas eu de concurrence, même si il y a eu une grande différence dans la politique des deux groupes. La première, c'est qu'Al-Qaïda n'a jamais annoncé vouloir fonder un État, alors que l'État islamique a un projet étatique qu'il a tenté de mettre en application, avec un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire, pas de pouvoir législatif, hein, puisqu'il y a la charia qui en fait office. Et la seconde différence, c'est qu'on se souvient, lors de la bataille de Fallujah en 2004, que les Américains avaient réussi à vaincre les djihadistes
relativement facilement parce que la population locale ne supportait pas d'être mise sous la coupe de combattants étrangers. Et l'État islamique a parfaitement compris cela. Ça a été le cas à Mossoul où l'État islamique a délégué le pouvoir à l'intérieur de la ville, donc à des acteurs locaux, chefs de quartier, chefs de quartier, chefs de clan, ex-officiers de l'armée de Saddam Hussein, membres de l'establishment religieux sunnite de l'époque de Saddam Hussein et quelques membres de grandes familles également. Donc il y a eu un ancrage local qui explique la grande différence entre Mossoul Est et Mossoul Ouest lorsque la ville a été reconquise. Mossoul Est a été relativement épargné, alors que Mossoul Ouest, où résidait l'essentiel de la résistance locale, c'était l'essentiel des membres de l'État islamique sont des Mossouliotes à Mossoul, se sont défendus jusqu'à la mort, et il faut le dire héroïquement, parce qu'ils défendaient aussi leur ville et leur communauté. Et on sait que toutes les villes qui ont été reprises par l'armée irakienne et avant elle par les milices chiites ont été victimes d'exactions importantes à l'encontre de la population. Bon, vous connaissez probablement le sort qui a été réservé à Mossoul Ouest. Le centre historique de Mossoul a été rasé par une politique de bombardement sans distinction qui fait que l'essentiel de la population vit aujourd'hui dans des camps de Mossoul Ouest, vit dans des camps à la lisière des déserts, sans aucune protection et à la merci de groupes paramilitaires chiites, sans lesquels la reprise de la ville aurait été très difficile. Alors, dans le livre d'Hélène Salon, il y a un personnage qui s'appelle Mossoul Ai, qui est un blogueur, et qui va raconter l'histoire de Mossoul, et qui va raconter Mossoul sous occupation de l'État islamique. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce personnage ? Oui, ça me permet, comme ça je répondrai un peu à la question d'avant, parce qu'il a une analyse assez forte sur qui sont les djihadistes et qui ne le sont pas. Mossoul Ai, en fait, c'est un historien qui a révélé son identité il y a quelques mois, donc Omar, qui a une trentaine d'années, et qui en fait, donc, était un assistant en histoire, donnait des cours à l'université. Donc, quand il a vu l'arrivée, il travaillait déjà sur le djihadisme, en fait. Donc, il avait ce background, et quand il a vu l'arrivée des djihadistes, il a compris que quelque chose de fort se passait, et surtout quand il a vu que les Américains annonçaient que la ville serait par prise avant des années, il s'est dit, bon, il va se passer quelque chose, et il a commencé à chroniquer, en fait, la vie sous l'État islamique. Donc, il avait un blog qu'il alimentait en arabe et en anglais, où il faisait la chronique au quotidien de ce qu'il observait, que ce soit des choses très triviales comme les prix, les décrets annoncés, les décisions prises, et il livrait aussi de l'analyse un peu comment il voyait cette prise de la ville, cette emprise sur la population, quelle population. Il a fait ça jusqu'en à peu près un peu avant la fin 2015 où il a été obligé de fuir parce qu'il commençait à être un peu il était sur le point d'être identifié. Donc c'est un blog qui est assez précieux parce que c'est un témoignage sur le vif, parce que c'est vrai que nous, quand on est arrivé à Mossoul, comme le disait Laurence, c'était pour la première fois la possibilité d'accéder en étant sur la ligne de front. On était au plus près de ce qu'on pouvait voir, de ce qu'avait été l'État islamique, et on accédait pour la première fois réellement à des gens qui, pendant pas 10 minutes au téléphone ou sa grésille, pouvaient nous raconter ce qui s'était passé en ville, comment ils avaient vécu. Donc c'était ça aussi l'intérêt de couvrir la bataille, c'était de pouvoir pour la première fois recueillir du témoignage et voir les djihadistes en face. Et Mossoul Ai, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, quand on fait du témoignage auprès de ces habitants, bon, c'est pour ce qui s'est passé
Au début, c'est du témoignage reconstruit. Lui, son blog, c'est du témoignage sur le vif. Donc avec bon, ses imperfections, mais qui est très intéressante. Il y a des colères, il y a des déceptions. Enfin, on voit vraiment aussi ses affects. Et ce qu'il décrit, lui, une grande partie de son analyse, et c'est ta question plus tôt, et c'est une analyse que j'ai retrouvée assez souvent dans les témoignages des habitants, c'est qu'ils font vraiment, on a l'impression d'une lutte des classes. Enfin voilà, c'est qu'on a, on a toujours l'habitude de voir le Hig un peu comme un hydre exceptionnel, c'est quelque chose qui n'a pas de... de réalité, mais en fait, pour les gens de Mossoul, c'est des gens qui viennent de leur ville ou des environs, et ils rapportent ça beaucoup à un conflit entre les villageois et les citadins. Donc Mossoul, et ça c'est toute la théorie de Mossoul High, je pense que c'est un facteur, enfin c'est un angle, et qu'il y en a d'autres bien entendu, mais lui, comme beaucoup de gens qui sont plutôt dans cette élite citadine, éduquée, il analyse beaucoup avec ce prisme. Donc il revient en fait aux années de Saddam Hussein, qui est confronté en fait à la montée. Alors je vous disais, Mossoul a toujours été une ville rebelle face au pouvoir. Et donc il y a eu une montée des frères musulmans qui a été assez forte, qui a réussi à grignoter un peu du pouvoir parmi les grandes familles. Ça n'a pas beaucoup plu à Saddam. Il a tribalisé en fait Mossoul. Il a fait venir des tribus des campagnes environnantes. Il y a eu une migration urbaine et il leur a donné des positions dans l'armée, dans la fonction publique. Et donc on a vu les Mossouliotes de souche, enfin ces citadins, ont vu arriver beaucoup de ces ruraux et l'ont très mal vécu. Il les dénigrait énormément. Donc Mossoul High, par exemple, admet lui-même qu'il y a eu une marginalisation culturelle. Ils ont énormément dénigré. Et ces tribus de l'extérieur étaient aussi davantage salafisées, parce que dans la campagne de la foi de Saddam Hussein dès 98, les campagnes ont été travaillées par les salafistes. Il y avait des bourses pour envoyer des chaires en Arabie Saoudite. Ils revenaient, ils salafisaient les campagnes. Donc on voit vraiment un choc culturel entre ces migrants de la campagne et les citadins. Et beaucoup des gens de Mossoul qui sont citadins vont vous dire, finalement, l'État islamique, c'était quoi? C'était beaucoup de ces quartiers ou faubourgs qui avaient accueilli le gros des migrations. Donc effectivement, l'ouest de Mossoul, notamment le nord-ouest, certains quartiers plus centraux. Et c'est eux qui aussi, il y a une dimension de vengeance finalement. Ils vont se venger sur la population citadine qui les a méprisés pendant de longues années. Et c'est, voilà, c'est une analyse que fait Mossoul High. C'est comme ça qu'il voit les choses. Et pour lui, c'est un facteur très important de l'explication en fait de la montée de l'État islamique. Donc il explique dans le détail, hein, vous pouvez retrouver ses posts. Il va vous expliquer telle tribu a rallié... aujourd'hui l'État islamique, et il s'avère qu'à chaque fois c'est d'abord les tribus qui étaient marginalisées qui vont rejoindre le nouveau gouverneur en fait, parce qu'elles ont intérêt à profiter de ce qui leur est offert, donc du pouvoir, de l'argent, des femmes. Et après, bon, ça va s'étendre, parce que, comme je vous disais, Mossoul, c'est un peu le phare sunnite. C'est une ville qui est quand même assez conservatrice, même si elle n'est pas salafiste. Il y a toute cette idée qui est promue par l'État islamique de l'homme nouveau, donc du musulman pur, qui va finalement, et je l'ai retrouvé dans beaucoup de témoignages auprès de Mossouliotes et notamment de jeunes. Et il me disait que finalement, ça a aussi très bien fonctionné chez des jeunes qui étaient plutôt même déjà, qui n'étaient pas du tout religieux, qui étaient plutôt sur les bagnoles, les filles, et même parfois l'alcool. Et ce sentiment, voilà, d'avoir un peu perdu de pouvoir face aux chiites, face à l'État. Et l'alternative qu'on leur propose en disant « on va vous redonner du pouvoir en étant un homme pur, un homme nouveau qui se bat pour sa cause », ça a aussi marché chez des jeunes qui faisaient partie de l'élite citadine. Alors,
Mossoul est aux mains de l'État islamique. L'État islamique contrôle une portion de territoire à cheval entre l'Irak et la Syrie, qui est de la taille à peu près, donc une portion de territoire qui est de la taille à peu près du Royaume-Uni, et administre une population de quelques 8 à 10 millions d'habitants. Une contre-attaque s'organise, et une contre-attaque s'organise notamment en Irak à partir de Bagdad. Et les forces qui seront le fer de lance et qui vont reprendre les villes une à une qui appartenaient à l'État islamique sont notamment les forces du service antiterrorisme. Et parmi ces forces, il y a une unité qui est commandée par le major Salam. Est-ce que, Laurent, tu pourrais nous raconter comment tu as rencontré ces forces, ce service antiterroriste, et comment tu as fait la connaissance de ce major Salam ? Assez tard, en fait, et c'est une... Alors, il y a quand même une chose à comprendre, c'est qu'il y a... Dans toutes ces reprises des territoires contrôlés par Daesh, par l'État islamique, il y a les forces irakiennes en présence et bien entendu la coalition internationale sans laquelle, je pense, les choses n'auraient pas pu se faire comme elles se sont faites. C'est l'armée qui est en état de déliquescence, corrompue. Pas professionnel, extrêmement confessionnel d'ailleurs, là, avec une grande majorité chiite, qui est en gros une catastrophe. La police fédérale, qui, contrairement à ce que son nom laisse entendre, est une vraie force armée avec de l'artillerie, des tanks, comme une force armée normale. Et qui est à peu près dans le même état, à part quelques unités que l'armée, et donc ministère de la Défense pour les forces armées irakiennes, ministère de l'Intérieur pour la police fédérale, et ces forces spéciales, qui sont assez peu nombreuses en fait, on parle d'une dizaine de milliers d'hommes en activité. Sur le terrain, ce qui représenterait 10% des autres. Mais il faut comprendre que quand un général de l'armée normale dit qu'il a par exemple 900 hommes, il en a sans doute que 300 parce que ça lui fait 600 soldes qu'il peut se mettre dans la poche, enfin en tout cas à partager avec tout le système de ce qui fait que les chiffres sont très compliqués à comprendre puisque tout est un peu falsifié. Pour ce fonctionnement général de corruption, mais dont sur lequel tout le monde existe à petite échelle ou à grande échelle. Donc la troisième force, ces forces spéciales qui, elles, dépendent directement du Premier ministre. Il se passe un phénomène un petit peu bizarre. Elles sont aujourd'hui dans... Les photos de ces gens-là sont dans tous les téléphones des Irakiens. Qui sont tous en 3G, qui sont tous, comme dans tous les pays où les choses vont mal, on se tient informé, bien ou pas bien, et plus avec les réseaux sociaux qu'avec des organes d'information, mais c'est comme ça, enfin tout le monde est très connecté. Et même dans des régions reculées, ou même dans Mossoul en pleine bataille, on était en 3G, et tout le monde a des photos sur son Facebook de ces forces spéciales, parce qu'en fait elles sont quand même, si on considère que des forces armées sont aussi un service public. Et pour des raisons d'ailleurs qui sont encore à éclaircir, en ce qui me concerne en tout cas, d'où vient cette culture. En tout cas, c'est des forces qui se tiennent beaucoup mieux qu'une... C'est un service public qui fonctionne dans le sens où elle est non confessionnelle. Par observation, et c'est peut-être un peu différent selon les unités, mais c'est des gens qui, par exemple, ne sont pas entrés dans Mossoul avec des drapeaux chiites. Parce que c'est ce qui se passe pour l'armée et pour les forces et pour les autres forces irakiennes, enfin pour la police fédérale. J'ai pas bien compris d'ailleurs sur les milices chiites, parce que elles ont un peu participé à la bataille à l'extérieur de Mossoul, mais pour une fois les Irakiens ont quand même réussi à tenir une sorte de parole. Elles ne sont pas entrées dans Mossoul. Les forces, il y a eu des présences d'Achid Chahabi, de milices chiites à l'intérieur de la ville, mais pas militaire, pas armé, jusqu'à preuve du contraire. Mais la seule de ces trois forces, celle qui se comporte plus ou moins bien, mais exceptionnellement bien, c'est-à-dire
qui, pour une fois, n'est pas corrompu, et pour une fois, à part des exceptions individuelles, ça, je pense que malheureusement, on ne l'évitera jamais, se comporte de façon non confessionnelle, c'est-à-dire respecte aussi bien les sunnites que les chiites dans sa manière de faire, est menée par principalement menée par un major qui s'appelle le major Salam Hussein. J'étends un tout petit peu, j'explique ensuite comment je l'ai rencontré, mais qui a quand même, et c'est un petit peu surprenant parce qu'on ne s'y attend pas dans un pays comme celui-là. Les gens qui les aidaient de la coalition ne s'attendaient pas à ces choses-là et avec un peu de condescendance expriment leur surprise qu'il y ait une sorte de culture assez moderne de comment on fait la guerre, c'est-à-dire les deux principes de ce monsieur sont j'économise la vie de mes hommes et je fais très attention, mes hommes ne sont pas de la chair à canon, ce qui est à peu près l'opposé des deux autres forces. Et on pourrait inclure une troisième autre force, les milices chiites, où c'est encore pire d'ailleurs. Mais surtout aussi, je fais attention à la vie des civils. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où une force armée irakienne, une partie des forces américaines, donc c'est forces spéciales, se comporte exactement à l'inverse de ce qu'on pouvait attendre. Parce que quand même, cette situation, si on veut en venir à la bataille de Mossoul, qui est extrême, moi, j'ai pas de 30 ans de bataille. Enfin, j'ai très bien vu. J'ai passé beaucoup de temps à Grozny. J'ai très bien vu Sarajevo. J'ai passé beaucoup de temps à Sarajevo. J'ai jamais vu une situation comme celle de Mossoul. 1,5 million d'habitants. Quand la bataille commence, 10 000 combattants avec l'idéologie qu'ils ont, suicidaires, etc., etc. Libérer une ville sous le contrôle de djihadistes avec une conception et une attitude et une idéologie comme ils ont, avec 1,5 million de civils à l'intérieur, c'est très très compliqué. Personne ne savait, ni les forces armées, ni les politiciens, ni les journalistes, personne ne savait comment ça allait se passer. J'imaginais plusieurs mois, je pense pas être le seul, personne n'a imaginé 9 mois de bataille. C'est plus long que la bataille de Stalingrad. On a du mal parfois à évaluer ce qui se passe en temps réel. C'est toujours plus difficile de voir ce qu'on a devant le bout du nez tout de suite que quand on se retourne vers le passé. Mais c'était en fait quelque chose de... Le questionnement avant la bataille était énorme. Ils ont réussi à faire ce que les Américains n'ont jamais fait. Si on parle de la reprise de Fallujah, qui était une sorte qui s'appelait Phantom Fury par les Américains, ça a été un massacre. Il n'y a pas une armée moderne qui serait parvenue à ça. Pardon. Et les civils étaient partis de la ville à Fallujah. Enfin bon. Donc il y a eu cette espèce de gigantesque surprise qui est devenue d'ailleurs une sorte de fierté pour les Irakiens. Je reviens à ce que je disais au départ. Ils ont les photos de ces gens dans leur téléphone. Il y a un truc qui fonctionne en Irak quelque part. Qui est non corrompu, qui est tout simplement efficace. Ces gens-là, bien avant Mossoul, se battent depuis le début de la reprise des territoires contrôlés par Daesh, c'est-à-dire ils ont repris les villes de Ramadi, de Hit, de Fallujah pendant longtemps, avant d'arriver à Mossoul, et d'ailleurs à la demande des habitants de Mossoul, parce que c'est une chose qu'on pourrait évoquer, mais on en aurait pour sans doute plus longtemps, c'est qu'à la différence d'autres endroits, et même si les habitants de Mossoul ont vu d'abord une partie des habitants de Mossoul à différents degrés de collaboration ou de sympathisation, il y avait un peu de tout, ont quelque part vu peut-être l'opportunité de vivre moins mal qu'avant avec l'arrivée de Daesh. Ils ont très vite évidemment déchanté, pour la plupart, ou pour la grande, grande majorité d'entre eux. On finit par demander, se sont même plaints que ça n'aille pas assez vite. On demandait l'intervention de l'armée irakienne et qu'on les libère du contrôle de... Vous remarquez que je ne dis jamais libérer, je pense que personne ne va le faire ici. Libérer, il ne s'agit pas d'une libération de la ville. Donc on parle bien de libération, d'être libéré du contrôle de l'État islamique. Voilà, on peut... Le major Salam. C'est quand même... On c'est un peu comme quand on utilise Google et qu'on fait l'Irak, et puis là, on se focalise peut-être sur quelque chose, mais oui, comment je peux tourner ça en quelque chose de...
Qu'est-ce que je retiendrai du Major Salam? Je l'ai rencontré. Alors, on va parler de journalisme à la rigueur. Ça n'existe pas. Bien entendu, l'idéal du journalisme, ça serait d'être totalement libre, d'avoir sa voiture et pouvoir circuler pour s'informer le mieux possible et récolter les éléments qui nous permettent de comprendre afin de vous permettre, de vous les relater et de vous permettre de vous fabriquer votre opinion. Parfois, c'est plus compliqué. L'acte militaire ne m'a jamais passionné. Évidemment, l'important, c'est ce qui se passe pour les civils. En l'occurrence, comment va-t-on faire pour voir ce qui se passe à l'intérieur de Fallujah pendant la reprise de Fallujah, ou comment va-t-on faire pour savoir ce qui se passe pour ce 1,5 million de civils dans Mossoul quand la bataille va commencer? On élimine toutes les solutions à peu près idéales de journalistes. Il ne reste en fait qu'une solution. Impossible de se promener dans une ville quand le front est complètement mobile et quand on ne sait pas où le sniper est. Enfin, c'est juste entrer dans une voiture non blindée dans cette ville au moment de la bataille, c'est juste impensable. Circuler par soi-même est impensable. Donc il faut surtout de l'information. Les seules informations qu'on peut obtenir, ça vient de l'armée. Enfin bon, en fait, la seule chose qui est possible, c'est d'accompagner l'armée, d'être embedded, comme on dit. Ce qui n'est pas une nouvelle chose et ce qui ne finira pas demain. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est passé, en l'occurrence, beaucoup mieux que ce qui pourrait se passer avec une armée française ou américaine. Je crois que j'ai eu la chance, une fois ou deux dans ma vie, d'être avec des forces spéciales d'une armée occidentale. En fait, c'est bidon. Bien entendu, les militaires ont l'habitude de dire, et ont des prétextes pour ça, c'est de la sécurité, de ne pas vous aider trop dans leurs activités. Et s'ils le font, et par exemple avec des forces spéciales, ça sera de vous dire oui, venez, mais ça sera 3 jours, et on vous dira oui, vous allez sur le front, mais vous allez rester avec les officiers, et jamais vous serez avec les gars barbouillés qui vont devant et qui avancent. Et bien là, il s'est passé un truc à l'envers de toute... c'est pour ça que ce monsieur Salam est assez extraordinaire. Un Irakien, par exemple, pendant la guerre Iran-Irak, n'a jamais été qu'en bus sur le front de la guerre Iran-Irak, et pendant une demi-journée, et là, on voulait bien lui montrer ce qu'on voulait bien lui montrer, et c'était retour. Enfin, on est dans un pays où c'est à l'envers. Et là, c'est tout le contraire. Donc, j'ai rencontré ce monsieur pendant la bataille de Fallujah, en fait, un peu par hasard, parce que j'avais quitté les milices chiites, qui étaient un peu compliquées à suivre, et c'est-à-dire que les forces armées qui essayaient de reprendre Fallujah étaient... c'était compliqué pour un journaliste. Je vous évite les détails pratiques, mais je suis tombé sur Salam à un moment donné, parce que quelqu'un m'a dit, non mais allez plutôt vers les véhicules noirs là-bas, parce qu'on était un peu en stop dans le sable, dans le désert. Et c'est un officier de force spéciale. En gros, les forces spéciales, ça veut quand même dire tueur. Qui, après une demi-heure de conversation, me dit, la solution, c'est pas la guerre. Donc le monsieur devenait intéressant. Le tueur qui me dit c'est pas la guerre, quand même c'est assez rare d'être avec. Et qui en fait accepte ma présence. Évidemment, il a des supérieurs hiérarchiques qui très vite contredisent cette nouvelle situation et m'expulse du front, mais je reviens et à plusieurs reprises, et finalement, ça c'est un petit peu un truc particulier aux forces spéciales, c'est pas comme les autres membres de l'armée, ils ont un tout petit peu de liberté d'autonomie, un tout petit peu et ils peuvent imposer certaines choses à leur hiérarchie. Et il a fini par m'imposer. Voilà. Ce qui fait que Tout ça se passe pendant la reprise de Fallujah, c'est-à-dire en juin 2016. Et j'ai un coup de fil de ce monsieur Salam en septembre donc 2016 qui me dit « La bataille de Mossoul commencera un jour et si tu veux, tu peux nous rejoindre. » Donc je me retrouve quand même... Je ne sais pas si c'est le lieu pour parler de tout ce mécanisme de reportage journalistique, mais... c'est un petit peu comme ça que je peux décrire M. Salam. C'est qu'en fait, on est dans la reprise d'une ville d'1,5 million d'habitants, tenue par 10 000 djihadistes, qu'on ne pourra jamais couvrir de façon autonome et idéale. Mais soudainement, dans un pays où jamais on ne pourrait s'y attendre, il y a un commandant, mais qui n'est qu'un major, mais en Irak, le grade ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, c'est lui qui a inventé
la tactique, voire même la stratégie pour reprendre les villes de Ramadi et Fallujah, et qui va en fait être le lead de la reprise de Mossoul. Moi, j'ai compris plus tard. Enfin, je sais ce que c'est, par exemple, le film, je pense que vous saurez de quoi je parle, de Pontecorvo, la bataille d'Alger. Ce film est devenu un truc qu'on projette dans les écoles militaires parce que c'est une façon de comprendre comment fait-on quand le problème est avec des civils et dans une ville. Je pense que la façon dont ce monsieur Salam a mené cette bataille, qui quand même a permis d'éviter, à mon avis, des milliers de morts, parce que, contrairement à ce qu'on a pu lire dans une certaine presse, c'est pas 40 000 morts et c'est maximum 6 000 morts. C'est bien dommage et on sait pourquoi il y a eu 6 000 civils et on s'est bien appliqué à expliquer que malheureusement il y avait eu beaucoup de victimes civiles. Mais ça aurait pu être bien plus grave. Donc, ce monsieur m'invite à. Et ça nous a permis, contre toute attente, Hélène et moi, de pouvoir, en fait, assister à toute la bataille dans des circonstances étonnantes. Alors, je ne sais pas où l'intérêt de ce que je vous raconte, mais ça présente quand même un profil, le profil d'un personnage qui est irakien, auquel on ne peut pas du tout s'attendre. Et moi, je pense une chose très simple, c'est que quand un militaire vous empêche de travailler avec lui, c'est parce qu'il a peur de ce que vous allez raconter et qu'il a peur de ses actes. C'est pas seulement le profil de Salam qui justement a une attitude non confessionnelle et qui s'adresse et qui considère tout le monde de la même manière. C'est une sorte, ça signifie une sorte d'espoir pour l'Irak, mais ça signifie même un petit peu plus. C'est un monsieur qui dit en fait mon seul objectif c'est de ne pas perdre trop d'hommes, les hommes ne sont pas perdus jusqu'à temps, et de faire attention aux civils, et ça prendra le temps qu'il faudra et je le ferai. C'est donc pas étonnant que les gens que la coalition internationale menée par les Américains et ses frappes précises, dont on a pu se moquer par le passé, mais là en l'occurrence c'est le cas, travaille avec eux et pas avec l'armée et pas avec la police fédérale. Mais moi qui suis assez, je suis objecteur de conscience, j'étais même en prison pour ça, parce qu'à mon époque on allait en prison, donc je ne suis pas du tout fasciné par la chose militaire, etc. Mais je m'aperçois que la chose la plus humaine et qui a fonctionné le mieux, voire mieux qu'à certains moments pour des armées occidentales, dans un pays où tout va mal, c'est cette reprise de Mossoul qui est un miracle. Ça aurait pu être des milliers de morts. Je m'aperçois malheureusement, je vois à ma droite ce qui se passe, je m'aperçois malheureusement qu'il y a des gens dans la presse qui comparent Mossoul et Alep, alors que j'étais à Alep en 2012 quand un gouvernement, d'abord la situation n'est pas du tout pareille, c'est un gouvernement qui utilise son armée et ses avions pour bombarder ses civils, mais qui met des bombes de 500 kilos sur Saint-Michel à 17h, c'est-à-dire qui tue un maximum de monde, qui vise les hôpitaux, qui vise les écoles. Et j'ai entendu des gens comparer. Je dévie un peu du portrait de M. Salam, mais quand même, il est un peu à la base de tout ça. Parfois, il y a des petits hommes qui changent beaucoup les choses. Je pense que la bataille de Mossoul aurait été différente s'il n'y avait pas eu un Salam, ou des Salams. Mais je crois qu'il y en a. Comparer ce qui s'est passé à Alep, d'abord avec Bachar, mais ensuite avec M. Poutine, qui fait exactement la même chose, viser les écoles, viser les hôpitaux, etc. Et comparer avec ce qui s'est passé à Mossoul, où l'armée s'est mal comportée, la police fédérale s'est mal comportée, avec des bombardements complètement erratiques. Et j'ai vu les gens, l'artillerie c'est un calcul. Je l'ai fait exprès, si vous ne pouviez pas répondre. Filez. C'est une blague, bien sûr. Vous êtes sûr? Oui, j'ai un train à prendre. Je pense que c'est possible de passer par le truc. Bon, c'est dommage, je ne suis pas du tout d'accord avec cette présentation. En deux mots, Bon, ça a été de bon ton dans la presse occidentale de cibler la façon dont les Russes ont bombardé Alep pour présenter le côté humanitaire, entre guillemets, des frappes de la coalition. La coalition dirigée par les Américains en Irak, auquel la France a participé, a commencé à bombarder Mossoul
a commencé à bombarder Mossoul à partir de début 2015. Mossoul a été pendant 2 ans l'objet de frappes aériennes qui ont fait évidemment des morts. Et sur le nombre de victimes civiles, pourquoi quelqu'un comme Hoshyar Zebari, qui est le ministre kurde, l'ex-ministre kurde des Affaires étrangères, aurait-il affirmé que le nombre de victimes dues au bombardement de la coalition se chiffrait au moins à 40 000 victimes? On a des réponses. Voilà. Alors, et par ailleurs, pourquoi le Mossoul aurait mis autant de temps avant de tomber s'il n'y avait pas eu une résistance locale acharnée? Et en ce qui concerne cette unité dont on vient de parler, c'est une unité d'élite totalement en dehors des forces irakiennes, directement formée par les Américains, et qui, évidemment, ne peut pas être considérée comme une force nationale irakienne. Et on ne peut pas projeter l'avenir de l'Irak à travers une unité qui a été formée, exfiltrée des forces irakiennes et qui n'obéissait en fait qu'à des instructeurs américains, beaucoup plus qu'au premier ministre irakien. Voilà. Qui est Hoshyar Zebari? C'est le ministre des Finances qui s'est fait limoger du gouvernement irakien, donc 3 mois avant cette annonce de 40 000 morts qu'il a donnée à peu près le fin juillet. La moitié de ces gens-là sont morts pour ça. Non, mais La moitié de ces gens-là sont morts pour cette bataille. Parlais bien de la bataille de Mossoul. Et pourquoi tous les Irakiens l'ont dans leur téléphone? Jean-Pierre, on en reparlera. Pierre-Jean. Non, la bataille de Mossoul s'est terminée à peu près mi-juillet. Et les analyses, enfin les estimations de Hoshyar Zebari ont été données 2 semaines après, quand justement vous voyez l'état des destructions dans la vieille ville de Mossoul, et sachant qu'aujourd'hui encore tous les corps n'ont pas été récupérés, que beaucoup de gens sont partis dans les camps et n'ont pas été comptabilisés. On n'est pas dans un système occidental où tout est bien organisé, où tout a pu être préparé et on sait exactement qui est où et qui fait quoi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont disparus, dont les corps ne seront jamais retrouvés. C'était justement impossible que 2 semaines après la fin d'une bataille qui, dans son dernier mois, dans la vieille ville, a été la plus dure, avec le plus de destruction, le plus de corps ensevelis, on soit capable de donner une estimation, et certainement pas de 40 000. Donc c'est complètement une hallucination de quelqu'un qui, qu'on connaît opposé au gouvernement fédéral de Bagdad. Par ailleurs, quelques mois plus tard, enfin même 2 mois plus tard, c'est lui qui va être à la manœuvre derrière Barzani pour organiser le référendum d'indépendance. Donc il faut faire attention à qui on demande quoi. Après, le nombre de morts a été évalué. Pour le moment, les dernières estimations qu'on a et qui sont encore incomplètes, on a encore beaucoup de corps à retrouver, de gens qui sont perdus. Les dernières étaient plutôt de 8 à 10 000 par Amnesty International et Human Rights Watch, et avec beaucoup de prudence. Et un chiffre de 9 000 donné par l'agence de presse AP, Associated Press. Je propose de commencer à prendre quelques questions. Je suppose qu'il y en a quelques-unes. On fait circuler un micro ici. On va prendre 3 questions et puis ensuite on laissera Hélène et Laurent répondre. Par ici. Et le modérateur aussi. Une question. Est-ce qu'on a eu des informations sur le mode de règlement des litiges pendant... Est-ce qu'il y avait des qadis ou quelque chose pendant la période Daesh? Ça, c'est une question. Et puis, pour vous rassurer, ne vous fâchez pas, parce qu'en fait... Je suis très, très fâché, parce que ce n'est pas à cause de ce soir. Non, mais je vous comprends, parce que ce n'est pas incompatible. C'est qu'il se peut
qu'ils aient été entraînés par les Américains. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Et ça ne veut pas dire que ce sont des agents américains. Ils l'ont fait parce que tout le monde s'instrumentalise. Donc ils tirent le meilleur de ce qu'ils peuvent faire et ils croient à l'Irak en même temps. C'est pas incompatible. Ah non, pas du tout. Première question. Deuxième question, ici. Oui, bon. Ah oui, la question aurait été adressée à Pierre-Jean Luisard. Malheureusement, il est parti. C'était, bon, lui, il a mis le point de départ des réformismes islamiques au XIXe siècle. En fait, il y a un autre point de départ, une autre branche, qui est Abdel Wahhab, qui est lui, la branche saoudienne. C'était un réformiste aussi, à sa façon, XVIIIe siècle. Et Daesh et d'autres se rattachent plus volontiers à cette ligne-là qu'au réformiste plus... Bon, tout à fait. Donc, je propose qu'on se concentre plus sur Mossoul et sur l'essence de cette bataille, notamment. Une dernière question, et puis ensuite, on va passer aux réponses. Oui, moi, j'ai juste une question. Au-delà du nombre de morts dans la bataille, et au-delà de la discussion, il y a quand même un fait qui est avéré, et quelqu'un comme Robert Mardini, le directeur des opérations pour le Moyen-Orient du CICR, l'a dit clairement, c'est qu'il y a une gestion catastrophique en termes humanitaires de la situation autour de la ville. Et je voulais savoir quel était votre retour, qu'est-ce que vous avez perçu sur le terrain, vous, et si vous pouvez confirmer de tels propos, parce que le CICR, par exemple à Genève, dit que c'est absolument lamentable de la manière dont ça a été géré de A à Z. Alors, merci. Donc, simplement pour revenir sur ces questions des forces spéciales irakiennes qu'on a tous les trois côtoyées et couvertes, on aurait tous préféré y aller à la pince à épiler et ne faire aucune victime civile. Il s'avère que ces forces spéciales irakiennes qui ont été effectivement formées par les États-Unis étaient une force irakienne et ont été vraiment le fer de lance de la reconquête. C'était finalement assez exceptionnel quand il y avait d'autres unités qui reprenaient, je dis bien reprendre, des territoires, et notamment Mossoul. Et donc, il y avait, je me souviens très bien, après la reprise de Mossoul-Est, des posters, effectivement, Laurent a raison de montrer que ces forces spéciales étaient populaires auprès des Irakiens qui avaient un espoir de voir, tiens, une force irakienne reprend un territoire irakien face à une occupation dont il faut rappeler qu'elle est totalitaire et suprémaciste, telle qu'on en a rarement vu dans cette région au Moyen-Orient. Voilà. Pour l'administration de la ville et le règlement des litiges, le quotidien, en fait, qu'est-ce que c'est le quotidien des Mossouliotes sous l'État islamique, et donc est-ce qu'il y avait des qadis, etc. Je laisse Hélène répondre. Oui, bon, tout à l'heure, je m'étais arrêtée un peu vite à l'ère de la séduction, mais effectivement, pour un peu revenir et mettre en contexte l'État islamique, quand ils sont arrivés, donc ils ont distribué dès le début une constitution de la ville où ils définissaient leurs règles. Hein, c'était assez précis sur ce qui était toléré, ce qui était interdit, comment la ville allait être administrée. Donc c'est là où on a vu suppression de toute opposition, de tout groupe armé, organisation de l'administration, les interdits assortis des châtiments, etc. Et à partir de là, très rapidement, quasi immédiatement, se met en place toute une administration qui avait déjà été éprouvée finalement dans les villes syriennes qui étaient déjà passées sous la coupe de l'État islamique, dont Raqqa. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement des tribunaux, une police religieuse. Mais on sait que l'État islamique a une direction califale avec des ministères, donc finances, économie, pétrole, etc., etc. Ils ont reproduit vraiment un système étatique et c'est dupliqué dans chaque province et notamment à Mossoul par une même organisation, par des personnalités qui sont en charge de chacun des dossiers. Donc on a une administration qui est très poussée, qui finalement reproduit celle d'un État, de l'État irakien. Il y a beaucoup de syncrétisme entre des djihadistes, mais qui vont reprendre beaucoup de ce que l'État irakien a déjà produit, et notamment parce qu'il y a ces officiers baassistes et ces gens qui ont fait partie du pouvoir à l'époque de Saddam.
Donc pour ce qui est des tribunaux, oui, ils ont leurs caddies qui vont appliquer les règles de l'État islamique, leur doctrine vis-à-vis du statut personnel ou de toute l'administration, que ce soit économique, etc., financière. Dans la rue, par exemple, les gens qui sont arrêtés pour ne pas respecter les interdits se voient délivrer une amende, arrêtés et amenés chez ces juges qui vont décider à un moment quelle va être la pénalité. Et l'État islamique est si bureaucratique, si minutieux, qu'il y a même des grilles pour les peines, en fait. Une cigarette, ça fait tant, etc. Donc, ils sont vraiment dans le détail. Ça va beaucoup évoluer parce que, voilà, donc cette application va se faire de façon progressive. Enfin, voilà, je l'ai décrite dans le livre sur plusieurs aspects, que ce soit l'éducation, la santé, l'économie, l'éducation des enfants. Ils sont allés très loin dans le détail. Ça a été régulé. Ça a fonctionné pendant un temps parce que Bagdad continue à verser les salaires jusqu'en juillet 2015, ça va totalement s'écrouler quand Bagdad cesse de les verser parce que le système ne s'alimente plus. Eux sont dans une économie de guerre, ils n'ont pas les moyens de gouverner la ville seuls, ils sont plutôt dans une économie de prédation à utiliser le personnel qui existant, donc les médecins, les enseignants de la ville qui n'étaient pas État islamique et qui vont devoir... qui n'ont même pas à prêter allégeance, ils veulent juste qu'ils viennent travailler pour que ça fonctionne. Donc ça va s'écrouler progressivement à partir de là, mais ils avaient vraiment pensé à un système étatique qui englobait tous les aspects de la vie et qui avait aussi une vision future, c'est-à-dire notamment, on le voit dans l'éducation des enfants, c'est vraiment très tôt former cet homme nouveau et pouvoir avoir des futurs sujets du califat prêts pour dans 10 ans, dans 20 ans. Donc c'est là où on peut s'imaginer que oui, l'État islamique, leur califat s'est écroulé, mais il y a déjà des générations formées. Pour l'autre question, donc sur la gestion des déplacés, je voudrais rappeler ici aussi, bon, vous répondrez, je voudrais rappeler ici que l'Irak était un État failli et au bord de l'écroulement en 2014, et que la gestion des déplacés de Mossoul, on a été tous les trois témoins de l'organisation de norias de bus affrétées par l'État irakien qui les déplaçait dans des camps de déplacés. Compte tenu de la complexité, encore une fois, de cette reprise, de la durée de cette bataille et de l'ampleur et de son ampleur et de son échelle, je considère que la gestion des déplacés n'a pas été idéale, mais elle n'a pas été une catastrophe absolue. Au contraire, en fait, finalement, je trouve que compte tenu de la complexité de l'ensemble, elle s'est plutôt bien passée, cette gestion des déplacés. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. Moi, juste, il y a eu beaucoup de critiques qui n'étaient pas adressées uniquement qu'à l'État irakien. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de critiques contre les agences de l'ONU qui n'ont pas été non plus à la hauteur sur l'organisation. Et ça s'est fait très tardivement. C'était toujours dans l'urgence. Mais c'est pareil dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'on est face maintenant à une succession de crises dans la région depuis les printemps arabes. On voit une lassitude des donateurs. À chaque fois, et il y a eu hier une conférence sur la Syrie où ils demandaient à peu près 9 milliards, ils ont eu à peine la moitié, et sur cette moitié, on ne sait pas ce qui sera promis et vraiment donné. Donc il y a une lassitude, il y a des agences qui elles-mêmes n'ont plus vraiment les moyens, et on a été face en Irak à une course effrénée, une reconquête de la part des autorités irakiennes effrénée, c'est-à-dire qu'on finissait une bataille, on se retrouvait 2 mois après avec une nouvelle. Donc effectivement, je pense que c'était très dur. L'État irakien n'est pas armé pour organiser. Et d'ailleurs, c'est là où les critiques des habitants, c'est d'avoir dit bah, pourquoi ils nous ont dit de rester dedans si ça allait être aussi dur et aussi meurtrier. Par exemple, on voit l'amertume des gens de Mossoul Ouest et de la vieille ville notamment. Ils sont très amers contre l'État, mais souvent, dans leur amertume, s'exprime en disant « Mais ils nous avaient dit de rester, pourquoi on pouvait sortir ? Pourquoi ils ne nous ont pas dit de sortir ?»
C'est plus sur ce point-là, sur la stratégie qui a été décidée sur les civils. L'État et les militaires ont jugé que c'était plus dangereux de demander aux civils de sortir. Voilà, sur cette gestion, il faut voir cette succession de batailles et le fait qu'il a fallu à chaque fois organiser dans un temps très limité des camps. Et à Fallujah, je crois qu'en fait, ça a été beaucoup pire. Il y a eu de très, très grandes critiques sur la gestion de Fallujah, alors que dans Fallujah, il restait pratiquement personne, avec un échec total des agences de l'ONU. Il y a eu des critiques, il faut revoir à l'époque des petites agences comme Norwegian Refugee Council, qui s'est beaucoup plaint de ce qu'ont fait les Nations Unies à l'échelle de Fallujah, où il restait quasiment personne. Oui, je crois qu'on a. Enfin, je pense que ça fait des gens à peu près d'accord, des gens qui ont observé. Simplement, je me mets à la place de quelqu'un du CICR ou d'une HCR. Bien entendu, je vais toujours. Et c'est une question de point de vue et c'est une question de standard. Les gens sont sous des tentes par 50 degrés. C'est affreux. Enfin, un téléphone s'éteint. Les iPhones, ça s'éteint. Donc, bien entendu, c'est terrible. Bien entendu, c'est affreux. Mais étant donné le pays, étant donné les circonstances, etc., si on réfléchit à la façon dont, si on réfléchit à la façon dont l'État irakien a préparé et a pensé à réfléchir à préparer la bataille, moi je faisais aussi partie des gens qui étaient étonnés de la préparation qui avait eu lieu. Il y a eu d'ailleurs trop de tentes et trop d'endroits à préparer. Parce qu'en fait, la bataille était beaucoup plus lente que prévu. Donc, beaucoup de gens revenaient habiter chez eux, par exemple à l'est de Mossoul, quand la bataille était à l'ouest, de l'autre côté du Tigre. Il y avait déjà des gens et la vie reprenait dans l'est de la ville. Et puis, il y a aussi cette chose qui est différente de nous, qui est nous, individualistes occidentaux. Enfin, il y a toujours une famille, un cousin. On abrite beaucoup plus que. La famille est plus large. Et les gens sont revenus. Mais. Je pense que on comprend très bien les responsables du UNHCR qui disent c'est pas bien blâmer l'État et je pense que les Irakiens l'ont pas trop fait d'ailleurs à ce propos-là de la préparation pour les réfugiés pour une fois ça a bien fonctionné peut-être on profite aussi tout va tellement toujours mal que quand on voit quelque chose d'à peu près positif. Tout comme cette bataille qui aurait pu être un drame bien plus large. Un autre round de questions ? On a deux. Je pense qu'on est d'accord. Si. Oui, vous n'avez pas du tout évoqué le rôle des. Enfin, s'ils ont agi, mais je pense que oui. Des Peshmerga kurdes. Et puis, mon autre question, c'est quand on regarde ces photos-là, mais elles sont de vous, parce que je sais que vous êtes photographe. Pardon, là, ça. Ben oui, mais c'est, les choses sont magnifiques, bravo. Elles sont faites. Ouais. Merci. Peshmerga. Et on va prendre une autre question. Bonjour, c'est plus une information qu'une question. Cet événement est organisé en partenariat avec l'Institut des Cultures d'Islam et donc on a une exposition en ce moment qui s'appelle Bagdad mon amour et qui intègre une installation de Mossoul Eye donc avec le blog qui est à disposition du public et toute une série d'œuvres qu'on a essayé de faire venir et qu'on n'a pas pu faire venir et d'ailleurs l'exposition est sur la réinvention du patrimoine irakien suite aux différentes disparitions, aux différentes destructions en 2003 suite à l'invasion américaine et suite bien entendu aux exactions de Daesh. Voilà, donc à la goutte d'or. Le programme de toute la saison est disponible sur, je fais un peu de pub, hein, je suis désolée, sur la bande d'accueil et vraiment venez voir cette exposition et assister aux différents événements. Merci. Merci. Il y a une question devant. J'aurais voulu savoir si quand on est sur le terrain, on constate des différences de réaction des différentes populations de la ville. Est-ce qu'à Mossoul, est-ce la population est homogène? Est-ce qu'on peut distinguer des Kurdes, des Turkmènes, des Sunnites, des Chiites, des Chrétiens, etc. Et est-ce que dans la reconquête de la ville, ça a eu une influence où tout le monde était sous la même bannière? Très bien. Merci. Sur le rôle des Peshmerga kurdes, ils n'ont contribué que d'une façon très marginale à la bataille de Mossoul et à la reprise de la ville, c'est-à-dire qu'ils se sont
emparée, et très difficilement d'ailleurs, d'une ville, de quelques villes, donc bien à l'est de Mossoul, notamment la ville de Bachika. C'est là qu'on a constaté que les forces irakiennes, les forces spéciales évidemment, mais aussi l'armée irakienne, étaient plus compétentes pour mener des opérations militaires que les Peshmerga, d'une part. 25 kilomètres, voilà, bon, précisément. C'est la plaine de Ninive qui est aussi incluse dans ce qu'on appelle la reconquête de la bataille de Mossoul. Mais on n'est pas dans Mossoul encore. Et donc, quant aux différences... Les Peshmerga n'ont pas participé à la reprise de Mossoul. Ils ont aidé à prendre les villages, parce que avant de prendre Mossoul, il fallait prendre les villages. Avant de prendre Mossoul, il fallait prendre les villages qui étaient autour de Mossoul. Maintenant, faut pas rêver. Les capacités, le nombre et l'équipement des Kurdes ne sont bien entendu pas comparables avec celles de l'État irakien. Et Dieu sait s'ils ont fait leur possible et même avec beaucoup de courage, mais c'est juste, ils ont juste pas participé à la main. Oui. Contrairement à ce que certains films de certains intellectuels français. Vous avez interdiction aussi par l'armée irakienne de participer à la bataille, de rentrer dans la ville. Non, il devait participer à la bataille. Il devait participer de façon beaucoup plus. Il devait participer à cette bataille et peut-être aller. Beaucoup plus près de Mossoul, ne pas rentrer dans la ville de Mossoul, mais il y a des villages près de Mossoul, et notamment là, je pense à la ville de Karakoche, qui était un ancien bastion chrétien, dont les Peshmerga devaient s'emparer, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà, donc ils ont vraiment participé de façon très marginale. Le principal rôle des Peshmerga et des Kurdes en général était de tenir la frontière est. De cette bataille de Mossoul et notamment gérer l'accueil des déplacés, etc. Sur les différences de réaction dans les différents quartiers de Mossoul, avec les différentes populations de Mossoul, face à l'arrivée des forces irakiennes. On en parlait déjà un peu avant. Il y a une grande différence entre l'est et l'ouest de la ville en termes de population, une population beaucoup plus mixte à l'est, topographie aussi très différente, avec des quartiers beaucoup plus résidentiels. Ça s'est traduit aussi dans l'attitude de l'État islamique, c'est-à-dire qu'on voit dans la bataille de l'est que, étant donné qu'ils sont confrontés à une population qui est beaucoup moins acquise, ils vont pas prendre le risque d'aller se mettre dans leur maison, de monter sur leur toit, parce qu'ils se disent deux snipers de l'EI peuvent très bien se faire attraper par une famille entière et se faire tuer. Donc ils ont beaucoup moins utilisé les techniques qu'on a pu voir à l'ouest, notamment de boucliers humains, de se positionner sur des maisons d'habitants, qui fait que parfois ils occasionnaient des bombardements sur ces maisons, parce que depuis les airs, la coalition ne pouvait pas vraiment identifier si c'était leur famille ou etc. Ce qui a aussi une incidence sur les combats, c'est qu'on a une reprise de l'est qui a occasionné beaucoup moins de dégâts, dommages matériels et de pertes humaines. Donc de ce fait-là, l'accueil a été vraiment très très fort et très, c'était un fort soutien, on le voyait très bien chez les gens. Moi, je retourne même voir des gens que j'ai rencontrés en novembre 2016 lors de cette libération. J'ai vu une famille plusieurs fois, je l'ai vu dernièrement en février. Ils sont toujours dans un soutien très fort face notamment aux forces spéciales qui bénéficiaient vraiment d'une image positive. Et ils avaient très peur quand ils allaient quitter la ville pour laisser place aux véritables forces de police d'une ville. À l'ouest, ça a été différent. On est dans des quartiers, pour certains, qui étaient des bastions de l'État islamique, où effectivement les djihadistes vont reculer au fur et à mesure jusqu'à la vieille ville, avec beaucoup plus de gens qui sont sympathisants, ou au moins qu'on peut imaginer sympathisants. J'ai trouvé les relations beaucoup plus tendues entre les soldats et la population, parce qu'il y avait beaucoup plus de méfiance sur qui étaient ces gens et sur le fait que tous les djihadistes finalement se retrouvaient là. Donc il y avait le risque et beaucoup plus d'infiltration de djihadistes parmi les civils.
parce qu'à l'est, en fait, ils ont tout de suite reculé vers l'ouest. Ils n'ont pas essayé de sortir pour tuer les soldats. Là, comme ils étaient pris au piège, il y a eu beaucoup plus de tentatives d'infiltration dans les flots de réfugiés et avec ceinture explosive et se faire exploser. Donc c'était beaucoup plus tendu et aussi de par le fait que comme les combats étaient beaucoup plus durs, qu'il y avait beaucoup plus de victimes qu'à l'est, les gens étaient au même beaucoup plus tendus dans leur rapport aux soldats. Donc on a vu quand même une différence à ce point de vue-là. Après, par communauté, moi, j'ai pas trouvé... Enfin, déjà, il y avait plus de chrétiens, il y avait certaines communautés qui n'étaient plus là. Des Kurdes, j'en ai rencontré un peu, mais ça changeait pas grand-chose. On avait plutôt des sunnites arabes et qui, il y avait une palette de réactions à l'armée, mais qui, de façon générale, moi, j'étais assez surprise parce que justement, moi, ce qui m'intéressait, moi, je suis pas reporter de guerre, je couvre l'Irak et sur toutes les dimensions. Et ce qui était intéressant pour moi de couvrir une guerre et la bataille de Mossoul, c'était aussi de voir comment se fait ce nouveau rendez-vous, ces retrouvailles entre une armée qui était, des forces fédérales qui étaient conspuées par la population de Mossoul et cette population. On s'attendait plutôt, enfin, on était plutôt pessimiste sur ces retrouvailles. Et moi, je trouve que de façon générale, il y a eu, ça n'a pas été un rendez-vous manqué. Alors, ça ne veut pas dire que c'est gagné et que les retrouvailles de Mossoul avec l'État fédéral sont gagnées, parce que maintenant, il y a tout l'enjeu de la reconstruction, de comment l'État, avec l'aide de ses partenaires internationaux, va investir pour reconstruire Mossoul, pour que ses forces armées se comportent bien, voilà, pour un peu changer les dynamiques qui avaient cours avant l'arrivée de l'État islamique. Voilà, moi, je trouve que la bataille de Mossoul, c'était un rendez-vous qui s'est plutôt bien passé, mais que les risques existent. Oui, alors, si on en revient au tout début de la bataille et d'un monsieur un militaire... qui en arrive lui-même à dire que la solution n'est pas militaire. On est allé assez récemment se promener à Mossoul. Autant il y a une espèce de surprise phénoménale. C'est à se demander parfois s'ils sont idiots ou s'ils sont extrêmement courageux. Mais ils sont en train de reconstruire d'eux-mêmes, sans l'État, au milieu des ruines. En tout cas, au milieu des ruines de la vieille ville. Parce que 80%... En gros, on peut dire, on ne va pas y aller, c'est comptabilisé, mais on va dire que 70% de la ville de Mossoul n'est pas du tout détruite, contrairement à Ramadi ou à d'autres endroits. Mais la vieille ville l'est complètement. Il y a des gens qui sont déjà en train de reconstruire dans la vieille ville. Donc il y a une espèce de truc comme ça. Mossoul comme Alep sont des très anciennes villes riches et sûres d'elles-mêmes. Et je pense que ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui reconstruit Mossoul aujourd'hui, c'est juste ma ville a toujours existé, elle existera toujours. C'est quand même extrêmement courageux d'investir de l'argent quand tout autour de soi, c'est des ruines. Mais comme si, de toute façon, ça allait être reconstruit. Enfin, c'est étonnant. Mais il y a malheureusement zéro, ou presque, mais ça, je pense que Hélène en sait plus que moi, d'ailleurs, on peut en parler plus précisément ensuite. L'action de l'État n'est pas encore visible. Et donc, bien évidemment, c'est la crainte de tout le monde. Parce que si la communauté, si la ville de Mossoul, communauté sunnite, sous un régime principalement chiite, ne bénéficie pas des services minimums de l'école, de l'eau, de l'électricité, d'une reconstruction, il y aura un autre Daesh, ça parlera autrement. Enfin, il s'agit de reconstruire. Commenter les photos, non, il y a beaucoup trop d'images. Je peux juste dire, c'était une façon de commenter des photos. Il y en a environ 80. Les photos sont à peu près prises du début de la bataille à la fin. J'entends début de la bataille, le début des prises des villages autour de Mossoul, l'entrée dans Mossoul jusqu'à la vieille ville. Ça permettait, selon l'évolution des conversations et des débats, de donner des idées de questions ou et puis tout simplement commenter les images. Si je peux parler de ceci par exemple, il faut bien comprendre que par exemple pour cette situation,
c'est encore la même. C'est cette situation précise, par exemple, c'est cette chose terrible, accompagner des militaires, formidable, mais en fait, le but, c'est quand même de pouvoir assister à ce qui se passe pour les civils, et ça, c'est à peu près, ça a à peu près fonctionné. Et après 2 ans de vie sous le contrôle de Daesh, et Dieu sait si ça a coûté à beaucoup et de différentes manières, la bataille a commencé, certes, mais il y a eu les premières parts de la ville qui ont été libérées, et c'est les gens qui ont eu le plus de chance, disons, dans un certain sens, parce qu'ils ont été les premiers à sortir, et ils n'ont pas vécu la bataille pendant longtemps. Alors que plus le temps passait, bien entendu, plus les conditions sont durcies, plus les combattants de Daesh se reculant étaient sur les nerfs et tendus et assez agressifs et, avec la population. Dans les premiers temps, on a entendu que Daesh retenait et empêchait les gens de sortir, ce qui était complètement faux. Ça s'est révélé complètement vrai. Par contre, sur la fin, quand ils avaient le dos au mur et qu'ils sentaient la fin arriver. Donc pour les gens qui étaient là, comme dans... Ça, c'est les abords de la vieille ville... après les 2 ans de vie sous Daesh, il y a eu environ 7, là c'est à peu près en juin, il y a eu 7 mois de bataille, c'est-à-dire de siège, et malheureusement dans un secteur qui n'était pas attribué à nos amis des forces spéciales, mais si je me souviens bien, en l'occurrence de la police fédérale, exactement, et c'est-à-dire avec des bombardements un peu aléatoires qui ont fait des victimes, et leur seul moyen pour passer de la zone contrôlée par l'État islamique et pour entrer dans la zone libérée de l'État islamique, c'est au moment de la confrontation. C'est-à-dire que tous ces gens-là, dans des états parfois incroyables, parce qu'eux en sont arrivés à manquer de nourriture, d'eau, d'électricité, des choses les plus basiques. Il y a des gens qui perdaient connaissance, debout, ou avec des enfants qui avaient perdu connaissance dans les bras, ou morts. Ces gens-là ne pouvaient passer de la zone contrôlée par Daesh à la zone libérée que pendant le combat, c'est-à-dire au moment où l'armée arrive, c'est-à-dire sous les balles, sous les bombes, enfin c'est paroxystique. Pour revenir justement sur cette question humanitaire et sur la gestion de la question des déplacés, une autre différence par rapport à la bataille d'Alep et la bataille de Mossoul, à Mossoul, il était impossible d'organiser un corridor humanitaire parce qu'un corridor humanitaire repose sur un accord entre belligérants. Or, un accord avec l'État islamique était impossible, il n'y avait pas de négociation possible, ces gens étaient là pour prêts à résister jusqu'à la mort et ils l'ont fait. Donc on est là encore dans une situation extrêmement complexe où on est face à un ennemi qui ne veut pas négocier. Tandis qu'à Alep, on avait une insurrection qui était prête à ouvrir des corridors humanitaires et qui les a ouverts avec l'accord du régime syrien. Et puis voilà, dans la mesure du possible, il y a eu des gens qui ont été évacués de poches de résistance au régime syrien. Voilà. On reprend encore quelques questions. Oui. Alors, derrière, ici et ici. Alors, c'est une question qui n'est pas forcément directement liée à cette situation-là, mais à la notion de ville en guerre et de civil dans une ville en guerre. Est-ce que vous pourriez nous en dire peut-être quelque chose de très humain sur l'état d'esprit des personnes qui restent, on lit des centaines de milliers de personnes qui sont coincées dans des villes, bombardées depuis des mois ou des années. Est-ce que vous sauriez nous dire quelques mots sur l'état d'esprit de ces personnes qui sont toujours à cet endroit-là ? Très bien. Il y avait une question devant. Voilà, une question à Hélène Salon. Vous avez mentionné les cadres baassistes qui travaillaient pour Daesh ou sous Daesh, en fait. Bon, d'autres, on en parlait aussi, mais ces gens-là, on n'en voit aucune trace dans l'idéologie Daesh. On ne les entend jamais, ils ne sont... Est-ce que c'est une réalité de ces cadres, de cet ex-architecte, enfin, de cette ex-structure baassiste qui serait passée armes et bagages dans l'islam radical ? Voilà. Une autre question ? Il y en avait... Non ? Très bien. Sur l'état d'esprit des gens assiégés dans la ville, Laurent, tu veux... Alors,
Je pense que chaque fois, c'est chaque fois une spécificité, c'est toujours une situation différente. J'avoue que la question ne me. Je veux bien dire quelque chose sur l'état d'esprit des gens dans Mossoul, avant que. Ou d'Alep, avant. Mais avant ou pendant ou après, selon les états. Je pense par exemple à une histoire qui peut éclairer sur une espèce de connivence et une intelligence qu'on ne peut pas facilement imaginer avec une analyse de l'extérieur et qui relève de choses, des avantages d'être sur le terrain, puisqu'il y a quand même de moins en moins de gens qui font un travail de terrain et sincèrement la compréhension de l'autre ne passera jamais qu'avec de la présence sur place. Je raconte une anecdote. Qui a l'air drôle et qui l'est. Il y a beaucoup d'humour en Irak, et y compris dans des situations très difficiles, mais qui est révélatrice de plein de choses. Je me souviens d'un moment où trois combattants de l'État islamique se réfugient dans un immeuble. Un officier dit il faut s'en occuper parce qu'on contrôle ce territoire. Enfin, on a à peu près libéré tout cet emplacement, mais il y a trois combattants là-haut dans un. Il envoie cinq de ses soldats. Et il n'y en a que trois qui reviennent parce que comme cette façon de faire suicidaire les rend des ennemis compliqués. Au lieu de combattre et de se protéger, enfin d'avoir une attitude de soldat normal, ils sont descendus les escaliers en tirant et en s'explosant, donc en faisant des morts. Et donc ça a raté, mais il restait quand même encore un combattant, il le savait. Il dit bon, on va rester ici ce soir. Le truc habituel, comme tous les soirs, quand on a pris un peu de terrain, c'est-à-dire une rue, un quartier, deux rues, tout dépend de la rapidité avec laquelle ils ont avancé dans la ville, parce que c'est quand même une réalité très physique de reprendre une ville à des combattants, c'est qu'on va frapper aux portes pour voir qui est derrière. Il faisait une blague assez courante, donc je parle des soldats de la... Peut-être ça se passait avec d'autres sections d'ailleurs, mais en l'occurrence, il frappe à la porte et dit « c'est Daesh ». Et derrière... Les femmes font des you-you, you-you-you-you-you-you-you, bien sûr. Et puis après, la porte s'ouvre, il dit, ben non, c'est l'armée. Et là, en fait, c'est pas une grosse surprise et tout d'un coup, des pleurs et des trucs. Tout le monde rigole un peu parce qu'en fait, les soldats savent très bien que derrière, on va répondre you-you-you-you-you-you parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire soudage et bien sûr qu'il faut plier les chines et courber les chines et qu'il n'y a pas d'autre solution que d'être copain avec l'occupant. Mais dans l'autre sens, les femmes n'étaient pas non plus très effrayées d'avoir juste accueilli Daesh alors que c'était pas Daesh. Elles n'avaient pas extrêmement peur. Et malgré toutes ces... qui est le groupe qui arrive chez nous? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est la police fédérale? Parce qu'en fait, ils font très bien la différence. Bien entendu, on est quand même dans un monde où il y a une sorte de finalement, de quoi de connivence en fait, on est tous un peu dans la mouise et la vie est compliquée pour tout le monde. Et les revers de l'histoire, en fait. Mossoul a été... Mossoul, c'est... Combien d'armées sont venues frapper aux portes de Mossoul depuis 2003? Il y a eu les Américains, puis il y a eu Maliki, puis il y a eu les Kurdes, puis il y a eu Daesh. Enfin, c'est dingue. Mais il y a une forme comme ça de solidarité qui dépasse tout ça... Enfin, c'est bien entendu, c'est pas représentatif de tout ce qui peut se passer dans la tête d'un habitant dans une ville, mais on peut assister à des choses comme celle-là. Quoi. Il y a une sorte de... Alors, sur les officiers, je pense qu'il n'y a pas trop de doute qu'il y ait des officiers dans la structure dirigeante de l'État islamique. Je pense que le débat entre chercheurs et... je m'exclus de ce... De cela, c'est plutôt sur la place, quelle était l'importance de ces officiers dans la structure par rapport aux djihadistes, jusqu'à quel niveau ils ont été intégrés, leur nombre. Mais on voit très bien dans la gouvernance à la fois politique et militaire, enfin si on parle des officiers bassistes, dans la gouvernance militaire, les systèmes de renseignement, la production militaire qui a été développée par l'État islamique, il ne fait aucun doute qu'ils avaient une expertise qui avait été amenée par certains de l'époque de Saddam. Il y avait beaucoup de schémas qui ressemblaient énormément. Et d'ailleurs, récemment, j'ai fait un débat avec Ziad Majed, qui est lui davantage spécialisé sur la Syrie, qui disait que ce qui était très étonnant aussi en Syrie, c'est que les djihadistes qui sont d'abord venus avec l'État islamique, enfin qui est devenu l'État islamique à ce moment-là,
en Syrie, a appliqué un modèle qui ressemblait plus au baasisme irakien qu'au baasisme syrien. Donc c'est de là qu'on sait l'import, en fait, non seulement d'officiers, mais aussi de politiques, de gens qui avaient fait partie de l'administration baasiste, et d'où, je pense, aussi cette capacité à tout de suite s'emparer du système de gouvernance, enfin de la gouvernance de Mossoul, parce que certains avaient eu la pratique du pouvoir dans cette ville qui est énorme à administrer. Et donc, je pense qu'il y a eu vraiment, et notamment pour les officiers baasistes, on pense que même dès la campagne de la foi, il y a eu des évolutions, des parcours de certains officiers vers davantage vers le salafisme, et après ils se sont ralliés aux djihadistes d'Al-Qaïda et des autres groupes insurgés. Après, voilà, toute la question, je pense, et là c'est plus un travail d'expert et de dépiauter un peu tous les organigrammes et de retracer les parcours des gens, des dirigeants qui ont été identifiés, c'est de savoir quelle était la place de ces en nombre et en apport réel au sein de l'organisation. Je vais revenir sur la question des assiégés. Je sais pas ce que, enfin, j'ai eu l'impression de ce que c'est que ça peut être d'être assiégé dans une ville, mais surtout ce qui m'a fasciné dans les espaces, quand on a pu parler à des civils dans les espaces qui avaient été repris par les forces irakiennes, c'est que finalement les Irakiens sont habitués à des régimes plus ou moins arbitraires, plus ou moins corrompus, plus ou moins brutaux, en avoir plusieurs nuances, de Saddam jusqu'à Maliki, etc. etc. Là je crois que l'État islamique, c'est quand même un traumatisme assez profond, et que en Irak, on avait jamais vu ça, et Mossoul n'avait jamais vu ça. Et surtout, Mossoul, on ne s'attendait pas à une telle résistance de la part de tels acteurs. Donc il y a eu vraiment, une spécificité de l'État islamique par rapport à d'autres organisations djihadistes, par rapport à d'autres régimes qu'ont pu connaître les Irakiens, et qui laissera, à mon avis, une trace durable dans l'imaginaire, dans la psyché irakienne. Voilà. On va en prendre deux questions. N'hésitez pas à poser. Oui, en fait, la question, c'est. Si j'ai bien compris, il n'y avait pas de combattants étrangers parmi les djihadistes à Mossoul, si j'ai bien compris. Si, si. Ah, si. Il y en avait. Ah, oui. À part de temps en temps les voir morts, évidemment, j'ai jamais pu aller de leur côté, mais. Si, si, bien sûr. Beaucoup, mais tu m'en parles. Ce qu'on a. Là où, que peut-être on lisait dans la presse, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de combattants français. Ça, mais après, il y avait beaucoup de Russes, de Caucasiens, d'Arabes, d'Arabes non irakiens. Donc, c'est plutôt sur les Français où il n'y a pas eu énormément, à mon sens. Les Français étaient plutôt en Syrie, effectivement. D'autres questions avant de boucler Oui, parce qu'on... À un moment, on disait les chrétiens, il y avait les... Excuse-moi, ce que... C'est important d'être entendu au micro. Oui, parce qu'à un moment, on a dit aussi tous les monastères et tous les chrétiens qui sont restés en Irak, ils ont dit, il y en a eu beaucoup qui ont dit heureusement, bon, enfin, j'aimerais que les Russes étaient là et les Iraniens pour délivrer un peu, parce que sinon, à ce moment-là, même maintenant, ils seraient beaucoup moins nombreux qu'il y a quelques années. Hein. Les chrétiens, il y a eu pas mal de chrétiens aussi qu'on dit. Alors, il y a un chapitre dans ton livre sur les chrétiens de Mossoul, peut-être que tu peux en parler. Les minorités, enfin, groupes politiques, minorités religieuses, donc, étaient réprimés ou exclus. Donc, les chrétiens, ça arrivait assez vite. Mi-juillet, il y a eu un décret qui leur proposait trois options, conversion. Payer l'impôt comme sous l'époque ottomane pour les dhimmi, donc un impôt pour avoir le droit de vivre en tant que minorité sous le califat, ou partir ou mourir. Donc, disons que c'était partir si on ne veut pas mourir. La 99,9% des chrétiens ont choisi de partir.
J'ai rencontré une famille, mais que j'ai pas pu citer parce qu'ils voulaient pas parler, qui a vécu sous l'État islamique. Mais c'est souvent, on observait que c'était souvent des femmes, des personnes âgées qui n'avaient pas les moyens de partir dans des camps, des familles, celle-ci qui a jamais voulu m'expliquer pourquoi ils avaient fait ce choix-là, mais ils doivent être peut-être 10 en tout dans Mossoul, avoir fait ce choix-là de la conversion. Peut-être souvent, on a eu beaucoup le cas, faut comprendre qu'à Mossoul, les gens qui sont restés, qui n'ont pas pris l'opportunité de fuir dans les premiers jours, qui était la seule fenêtre possible, disent, mais nous, notre maison, c'est tout ce qu'on a. Enfin, on va pas aller. Ils ont vu ce que ça avait été Fallujah pour les gens de vivre dans des camps, dans le désert. Les gens ont leur maison, ils savent pas trop qui arrive. Bon, bah, moi, ma maison, c'est déjà ça. C'est une certitude. Les chrétiens, bon, eux avaient déjà eu l'expérience pendant les années Al-Qaïda et dans l'entre-deux aussi, où ils ont continué à être menacés. À recevoir des balles dans des lettres, des menaces, demandes de rançon, etc. Voilà, eux, ils n'ont pas réfléchi à deux fois quand il y a eu ces menaces. Ça leur évoque beaucoup, hein, ce truc de conversion, statut d'IMI. Ils ont dit, on ne va pas commencer à raser les murs, à plus avoir aucun droit. Donc, ils sont tous partis. Et jusqu'à présent... on voit beaucoup de gens qui ont fait même la démarche de plus trop y croire à cet Irak multiethnique, multiconfessionnel, et de demander l'asile, notamment en France, dans d'autres pays. Il y en a certains qui... Il y a un fort attachement à Mossoul, donc beaucoup aimeraient revenir, se sentent mossouliotes même avant d'être chrétiens, mais pensent pas que ce soit possible pour le moment. Ils ont été un peu dégoûtés par leurs voisins, même à la fin de la bataille, dont certains les appelaient pour leur demander combien ça allait coûter de racheter leur maison, sous-entendu qu'ils ne rentreraient pas. Donc là, on a très peu de chrétiens qui sont rentrés. Et aussi, il faut comprendre, chez les communautés chrétiennes d'Orient, et notamment à Mossoul, il y a un attachement au rite qui est très fort. On vit en communauté, la communauté s'organise autour du rite. Donc s'il n'y a plus d'église, il n'y a plus de communauté. Donc tant qu'il n'y aura pas d'église reconstruite à Mossoul, il n'y aura pas de chrétiens qui rentreront en masse. Parce que pour eux, il faut qu'il y ait la messe le dimanche, il faut qu'ils puissent faire leur mariage, leur baptême, etc. Merci beaucoup. Merci donc à Hélène Salon et pour son livre « L'État islamique de Mossoul ». Merci à Laurent Waterstock pour son travail donc sur les photos qu'on peut retrouver notamment dans Le Monde et à très bientôt. Merci.